Les lourdes pertes n'arrêtent pas l'armée russe. Intense bataille entre les deux pays, les Russes tentent d'encercler l'ennemi à Avdiivka, aux portes de Donetsk. Cette ville concentre en grande partie les efforts de la Russie, comme l'a confirmé le président Volodymyr Zelensky dans son allocution ce lundi. Провів ставку. Питання по суті єдине. Ситуація на всіх наших напрямках. Фронт, Авдіївка. Особливо вдячний воїнам на цьому напрямку. Стійкість там засила для всієї України зараз. Мар'їнка, інші донецькі напрямки, Лиман, Куп'янськ. Дякую, воїни. Dimanche, trois personnes ont été tuées après des tirs sur cette même zone d'Avdiivka. Les immeubles d'habitation sont détruits, les magasins n'existent plus, mais malgré les assauts réguliers, plus de 1500 personnes vivent toujours là, dépendant de l'aide humanitaire. Près de Kharkiv, 6 personnes ont trouvé la mort et 17 autres ont été blessées dans un centre de triage postal, selon Kiev.